Salut les terriens, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir, avec vous ce soir, quatre terriens de choix. Isabelle Mergaud. Isabelle Mergaud, l'une des femmes les plus drôles de France, et pas seulement quand elle prononce les mots chinchilla et esturgeon. Esturgeon que la première, que la première partie. Claude Bartolone. Claude Bartolone, mesdames, messieurs, le président de l'Assemblée nationale. En tant que président de l'Assemblée nationale, vous êtes le quatrième personnage de l'État. Est-ce que vous êtes devant ou derrière Julie Gayet? Philippe Etchebest. Alors, Philippe Etchebest, bonsoir. Bonsoir. On ne se connaît pas. On m'a dit, Etchebest, tu vas voir. C'est le seul cuisinier, quand il dit, je vais te mettre une patate, on ne sait pas s'il va rajouter une pomme de terre ou te casser la gueule. On verra. En P3, après le zapping, notre terrien du samedi 20h ce soir, Emmanuel Petit, pour son livre « Franc-tireur ». Enfin, je dis terrien du samedi 20h, s'il n'y a pas d'arrêt de jeu et de prolongation, bien entendu. Mon café, il est où mon café? Putain! Ah ben voilà. Désolé. Ça va Thierry? Ouais, ça va. Ça va, bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? Je présente, je suis le stagiaire dans Salut les Terriens cette saison. Voilà, je suis le seul à Canal+ à avoir dans mon contrat une clause qui m'autorise à me foutre de la gueule de Thierry Ardisson. Je peux me moquer de tout, enfin sauf de son physique, son âge, le cannabis, sa femme, ses enfants et son poignet de force. Voilà, mais sinon j'ai carte blanche. Vous êtes sûr, je peux pas faire de vanne sur le poignet de force? Parce que c'est vrai qu'on fait pas de muscu et pas de moto, c'est ridicule. Alors bon, on enchaîne. Petit débrief rapide quand même sur l'émission de la semaine dernière. Thierry, je vous le dis, je suis très très déçu parce que la semaine dernière, on a reçu Véronique Sanson. Oui. Moi, je me suis vraiment cassé le cul pour lui faire une loge aux petits oignons. Voilà, franchement, on se serait cru chez Nicolas. Non, mais c'est vrai, voilà, 82 caisses, ça m'a coûté 3 séances d'OCO, cette connerie. Et la meuf, elle a touché à rien du tout. Putain, par contre, elle nous a déglingué le stock de San Pellegrino. Alors, ça, c'est parti. Du coup, par contre, avec le stock que j'ai, on peut recevoir Renault quand vous voulez. Cette semaine, c'est un très, très beau plateau. Thierry, félicitations. Emmanuel Petit qui vient nous voir pour son livre « Franc-tireur ». Alors, comme vous l'avez demandé, j'ai fait le résumé de son livre. Voilà, il est juste là. Il tape dans le ballon. Voilà. C'est bien résumé. Isabelle Mergaud qui vient nous voir pour sa pièce de théâtre, hein, qui revient. Isabelle, c'est bien parce qu'elle sait attirer le public jeune au théâtre, puisqu'elle joue avec Sylvie Vartan. Bien joué. Voilà. Philippe Etchebest. Pas de vanne sur Philippe Etchebest. Non, je te conseille. Tu peux, hein? Non, oui, je tu peux. Non, j'ai envie de rester en vie. Non, mais c'est vrai, déjà, quand un mec rate une piémontaise, il se fait défoncer. Moi, si je fais une boulette, moi, j'ai envie de voir grandir mes gosses. Hein. À la limite, je préfère m'en prendre à Claude Bartolone. Ah, bah oui, quand même, je veux dire. Entre un contrôle fiscal et me retrouver entre quatre planches de sapin, le choix, il est vite fait. Hein. Vous connaissez l'adage, hein. Plaie d'argent n'est pas mortelle. Peut-être, mais plaie ouverte peut s'infecter. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, Claude Bartolone, vous connaissez des gens un peu bien placés et tout, non? Ça... Oui, il connaît tout. Pas beaucoup. Parce que je vous explique, moi, en fait, je recherche un logement, je vis dans un 9 mètres carrés, c'est la galère. Il était dans quelle circonscription, Thierry, avant Claude Bartolone? Dans le 9-3, lui, c'est le roi du 9-3. Vous emmerdez pas, ça va. Non, ça va. Vous savez pas ce que vous loupez. Maintenant, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry n'a pas voulu vous poser. On va commencer avec Isabelle Mergaud. Isabelle, vous jouez votre pièce avec Sylvie Vartan au Théâtre des Variétés, qui est à deux pas du musée Grévin. C'est pour que Sylvie Vartan puisse rentrer plus vite chez elle. Claude Bartolone, ça vous embête pas d'être le seul à ne pas pouvoir dormir à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, ce sont des vieux qui dorment sur des banquettes en velours rouge. Du coup, Michel Drucker, il vous a fait un procès ou pas encore? Emmanuel Petit, vous êtes connu pour être l'écorché vif du football français. Vous savez que si vous aviez été dans la chanson française, vous auriez été Francis Lalanne. Vous avez eu la chance. Hein, c'est...
Philippe Etchebest, vous connaissez l'adage hein, avec les humoristes, femme qui rit à moitié dans son lit. Du coup, pour les cuisiniers, c'est quoi? C'est femme repue à moitié dans son... Je vais y aller. Merci beaucoup. Très bien. Bonne soirée. Bravo, bravo. Très bien. Voilà, c'était Tom Villa, notre stagiaire, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Peut-être. Voilà, l'émission s'appelle Salut les carrières et le groupe Les Gréements de Fortune. Rebonsoir Isabelle. Rebonsoir. Vous avez dit aux spectateurs que c'était pour le sketch ou pas? Qui vient après. Mais c'est bien. J'ai jamais vu ça. En 30 ans de carrière. Alors, votre nouvelle pièce, Ne me regardez pas comme ça, marche très bien. Un an après le succès de Ouh, tout va bien pour vous en ce moment, vous gagnez de l'argent? Pas encore. Ah ben ça va en faire, hein, de l'argent, ça, parce que c'est vachement bien. Oui, c'est intéressant, c'est pas le but non plus, mais c'est intéressant. J'ai vu une photo de vous dans votre nouvelle salle de bain, c'est pas mal quand même. Hein. Il y a l'argent et il y a l'amour. Vous avez déclaré, l'amour est la seule chose qui me fait vivre. Vous préparez le concours Miss France ou... Mais non, mais ça doit être sorti de son contexte, évidemment. Ah ouais. Non, oui, c'est la seule chose qui me donne des ailes, qui me fasse... Oui, l'amour, être, l'état amoureux, c'est formidable. Vous êtes amoureuse en ce moment? Non. Elle fait ce qu'elle peut. Ça, en même temps, oui. Ça. Là, franchement... Je chôme pas. Hein. Alors, il y a le théâtre, il y a l'amour, il y a votre fille. Maintenant que vous avez adopté une petite fille noire, est-ce que vous allez continuer la collection comme Angelina Jolie? Non, c'était un concours de circonstances. C'est une adoption simple, elle a encore ses parents. Ah donc oui. Elle porte mon nom, mais elle voit ses parents régulièrement. Je suis chargée de son éducation. Mais c'est très bien, bravo. Alors la pièce... Elle est super, non mais vraiment, non mais... Mais arrêtez, je l'arrive à dire les S. Vas-y. Bah, sorbet citron. Oh, oh, un énorme scoop. C'est la première fois. Mais non. Alors, vous prenez des cours. Prenez des cours d'orthophonie. Mais non, c'est les cheveux, les... Charlotte au chocolat, je peux pas, mais sorbet citron, je peux. Ah bah voilà, mais la pièce, elle est super. Mais elle est pas chouette. Alors, c'est au Théâtre des Variétés. Ça s'appelle Ne me regardez pas comme ça. C'est écrit par vous. Mise en scène par Christophe Duturon, interprété par vous, Sylvie Vartan et Pierre Denis. Alors le pitch, c'est l'histoire d'une ancienne star de cinéma, aujourd'hui ruinée, qui décide de faire écrire ses mémoires et son éditeur lui envoie non pas Marcel, mais Marcel Le, une auteure d'un livre de cuisine à succès sur le riz. Oui. C'est l'histoire d'une femme, d'une actrice qui a voulu se retirer du monde, comme Greta Garbo, ou même quelque part Brigitte Bardot d'ailleurs. Hein. Sauf que Brigitte Bardot, on continue à la voir malheureusement. On regarde à quoi ça ressemble. Ok. Mon public doit garder l'image de moi, du temps de ma splendeur. Vous avez la peau douce comme de la soie. Vous êtes son foulard là. Vous allez à Rome, vous aussi? Non, ils sont à Grenoble, il y a une correspondance. Madame Carlotti. Ta. Carlottita. Carlotta. Mais c'est des touristes. Oh, alors oui, bon, c'est vrai, on vous reconnaît. Mais bon, c'est pas l'émeute non plus, hein. Oh, encore un homme à mes pieds. Ah, ça y est, la table, elle est calée. Tu vois les lasagnes? Là. La mozzarella, là. Le gorgonzola, là. Et le tiramisu? Il est où, tiramisu? Là. Alors, la star du cinéma, c'est Sylvie Vartan. Ouais. C'est une idée de votre agent. Ouais. En mangeant un yaourt. Ah bon? Au goût bulgare. Ah oui. C'est con. Et c'est une bonne idée. Alors, pour tous les jeunes qui regardent et qui ne sauraient pas qui est Sylvie Vartan... C'est une chanteuse dont les Beatles ont fait la première partie, oui, à l'Olympia, c'est absolument incroyable. C'est une femme dont le corps était lourd comme un cheval mort. Alors, dans la pièce, Sylvie Vartan dit « Être une star est une maladie
qui vous empêche d'être comme tout le monde alors que vous plaisez à tout le monde. Ouais. Et c'est bien écrit, vous écrivez bien, vous avez un sens des aphorismes, des sentences, des maximes. Ouais. Non, c'est vrai, ouais, profitez-en là. Ouais. Vous avez dit également, tous les hommes sont des menteurs et on tombe amoureuse de ceux qui mentent le mieux. C'est ce que je pense. En même temps, on ne va pas vous raconter qu'on a une maladie vénérienne et qu'on est au chômage. Hein. Bah, le chômage, ça se voit un peu, la maladie vénérienne, ça se voit après. Alors apparemment, dites-moi, vous avez des trucs à dire sur l'amour, hein? Ah oui. Interview boudoir. Isabelle. Oui. Qu'est-ce qui vous donne immédiatement envie de faire l'amour? Les accents. Surtout l'accent américain. Ah. Un mec, même moche, qui me dit Isabelle. Alors là, ça me fait fondre. Et qu'est-ce qui vous coupe immédiatement l'envie de faire l'amour? Le type qui, en se déshabillant, plie bien ses affaires. Vous avez déjà fait l'amour avec un gay? Il l'est devenu après. Alors, pourriez faire l'amour avec François Hollande? S'il garde son casque. Isabelle, qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous dise après l'amour? T'as le numéro d'un taxi? La pire chose qu'on vous ait dite après l'amour? Alors ça, j'étais avec un photographe de mode. Je pense qu'il s'était tapé pas mal de mannequins. Et il m'a dit, qu'est-ce que ça fait du bien de faire l'amour avec quelqu'un de pas trop beau, de normal? Voilà. La plus grande différence d'âge que vous ayez eue avec un partenaire, c'est combien? 30 ans. Ah oui, en moins? Lui en moins. Ah ouais. Oui. Plus, vous n'avez jamais essayé? Oh, j'avais dû picoler un peu, ça a dû m'arriver. Ce soir, avec qui feriez-vous volontiers l'amour? Avec mon public. Wow. Voilà, c'était la paire d'œil, c'était. On se retrouve sur Terre. Après la pub, à tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Isabelle Mergault, de Claude Bartolone, de Philippe Etchebest et d'Emmanuel Petit. Jusqu'ici, tout allait bien. Voici Stéphane Guillon. D'après une enquête du New York Times, les réfugiés ne veulent pas venir en France, préférant l'Allemagne, l'Angleterre ou la Suède. Oui, mais là... Nous, on voulait pas d'eux, mais si c'est eux qui veulent pas de nous, c'est vexant. Faut tout faire pour les attirer, les séduire. Demandons à Stéphane Bern un spécial secret d'histoire, bah ouais, vantant les mérites de l'Hexagone. Oyez, oyez, chers migrants. La France, jadis appelée la Gaule, compte aujourd'hui 3 500 000 chômeurs et 8 millions de pauvres, de va-nu-pieds, de sans-dents. Cette contrée, gouvernée par Messire François Hollande, un président mou au physique de Bourbon, a perdu son triple A et s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. C'est dans cet Eldorado, chers migrants, que nous souhaitons vous accueillir. Un pays où Marine Le Pen, la belliqueuse, une femme qui veut bouter les étrangers dehors, arrive en tête à chaque élection. À peine débarqué, chers migrants, vous pourrez dormir à la belle étoile sur les bouches de métro, laver les pare-brises de voiture et mendier dans une royale indifférence. Politique, Jean-Vincent Placé va apporter son soutien à Claude Bartolone, candidat à la présidence de la région Île-de-France. Ah merde, merde, merde.
C'est déjà pas facile pour vous de gagner, mais si Jean-Vincent Placé vous rejoint, c'est le cadeau pourri au pied du sapin. Vous pouvez pas vous en débarrasser, leur filer à Pécresse. Ah non, 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 je veux le garder, moi. Dans son livre paru chez Albin Michel, François Fillon qualifie Nicolas Sarkozy de plébéien teigneux. Mais l'ancien président, qui veut rassembler son camp, a souhaité apaiser les choses. J'ai pas envie d'attiser la polémique. François Fillon a été un merveilleux collaborateur, un employé modèle. Pendant 5 ans, quand Claude Guéant et moi ont réformé la France, c'est lui qui faisait le café. Et je peux vous dire que pour faire un espresso, c'est le meilleur. Toujours très élégant, costume anglais, chaussettes rouges. Je rappelle qu'en 2008, le magazine GQ l'a élu homme politique le plus stylé, hein? Le seul titre qu'il ait jamais gagné. Et si demain, la Fashion Week cherche un collaborateur zélé, un métrosexuel servile et malléable, malgré tout le mal qu'il a dit sur moi, je recommanderais François Fillon. Parce que mon boulot, Thierry Ardisson, c'est de rassembler ma famille. Santé, la secrétaire d'État Laurence Rossignol annonce la création d'un village Alzheimer pour 2018. Pas de date d'inauguration. Non, 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 ça sert à rien. Dans un village Alzheimer, l'inauguration, c'est tous les jours. Tous les jours, le patient découvre le village. Oh, oh, c'est beau. Un village Alzheimer, c'est hyper simple. Une seule rue, un seul restaurant avec le même menu et un seul cinéma qui passe toujours le même film. Jamais de déficit. Chaque semaine, le maire envoie une taxe d'habitation aux malades qui renvoie un chèque. La fin d'une époque, un merveilleux chanteur raccroche son micro. Adieu l'artiste Yannick Noah part entraîner l'équipe de France de tennis. On n'entendra plus Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga. Une perte infinie, Thierry. Tollé sur les réseaux sociaux après la remarque sexiste d'Anne-Claire Coudray, la nouvelle présentatrice du 20h de TF1. Les femmes ne sont pas douées pour faire des créneaux. Ah bah, ça valait le coup de virer Claire Chazal. Hein. Question jeunesse et modernité, on retourne 40 ans en arrière. Et pourquoi pas un JT totalement sexiste avec un générique des années 70 ? Mesdames et messieurs, bonsoir, enfin, bonsoir surtout à vous, messieurs, car à cette heure-ci, madame est dans la cuisine. Elle prépare le dîner. Dans ce journal, nous irons à la Foire de Paris où l'électroménager est à l'honneur. Nous découvrirons l'aspirateur robot, une révolution pour les femmes. Faire du tricot, papoter avec ses copines pendant que la maison se nettoie, c'est désormais possible. Nous découvrirons aussi le tout nouveau GPS de chez TomTom, un outil indispensable pour le sexe faible qui n'a aucun sens de l'orientation. Souvent indisposée, enceinte, la femme est moins concentré. Nous terminerons ce journal par un sourire, un clin d'œil. Quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, Éric Zemmour, viendra commenter sa phrase « Si le pouvoir ne reste pas dans les mains des hommes, il se dilapide ». Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. C'était Stéphane Guillon que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et en tournée dans toute la France. Philippe Etchebestre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef cuisinier, meilleur ouvrier de France en 2000, 2 étoiles au Michelin avec l'hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion. On peut vous voir sur M6 dans les émissions Top Chef et Cauchemar en cuisine, où vous venez sauver des restaurants sur le point de fermer en leur donnant des conseils. Vous êtes devenu célèbre grâce à M6, en fait. Comme Loana. Oui, c'est ça. On regarde à quoi ça ressemble. Tu
me fais quoi là? Je me suis en train de faire un œuf au plat. Mais c'est trop tard! Mais quel clan ce bruit! Je te mets dans l'écran, monsieur! Ça va chier ici! Avec des bons coups de pied au cul, avec des bons coups de pied en derche, on va y arriver. C'est bon? C'est ce que tu sens client? Tu attends quoi là? J'ai oublié d'acheter des patates. Ça tombe bien, il m'en reste une. C'est un peu ça. Hein. Alors, c'est tous les mardis à 20h55 sur M6. C'est vrai que vous y allez un peu fort, hein, quand même. Alors, vous dites, je détruis des restaurateurs pour les ramener à moi et repartir sur de bonnes bases. Je suis obligé d'être dans la violence psychologique. Je n'ai pas le choix puisque je ne reste que 5 jours avec eux. C'est ça. Il faut être efficace. Il ne faut pas croire que tirer sur l'ambulance, ça m'amuse. Ouais. Maintenant, c'est nécessaire pour effectivement reconstruire quelque chose de positif. Globalement, le constat, il est là. C'est plus de 70% de réussite. Donc, on pourra toujours critiquer la méthode, mais au moins, ça fonctionne. Alors, vous dites avec moi, les restaurateurs pleurent deux fois quand ils me voient arriver et quand ils me voient partir. C'est vrai. Il y a de la violence psychologique, mais il y a aussi beaucoup de violence émotionnelle. On part, c'est un peu du ping-pong. Ça monte, ça descend. Ça n'arrête pas. Et forcément, à un moment donné, on s'attache aussi aux gens. Alors, vous ne mâchez pas vos mots. Hein. Vous dites c'est imbouffable, c'est du caoutchouc, ça pue. Et désormais, il y a des phrases cultes de Philippe Etchebest. Quand tu vas aux toilettes, tu torches le cul. Ça, vous avez dit ça à propos d'une crêpière sale. C'est ça, parce qu'en fait, il me dit, je vous promets, je l'ai nettoyé la semaine dernière. Je l'ai nettoyé une fois par semaine. Et donc, il fait que je lui ai répondu ça pour qu'il comprenne bien qu'effectivement, une crêpière, ça se noie tous les jours. Comme quand on va aux toilettes, on s'essuie les fesses et on n'attend pas la fin de la semaine. Sinon, j'imagine pas le calbut. Vous faites ça, mais vous c'est dites, votre problème. Vous dites, alors là, un truc comme ça, ma chienne en fait un tous les matins sur la pelouse. C'est ça. Vous avez dit aussi, je vais te faire bouffer mon banana split. Ah non, ça, j'ai pas dit ça. Pas dit, bien. Le client a toujours raison, alors tu fermes ta gueule. Oui, c'est lui. J'ai dit ça, moi? Oui, c'est tout. Là, je m'en rappelle, moi. Toi, tu vas finir à la cantine de Canal. Je pourrais le dire, peut-être. J'avais dit, on dirait du vomi. J'ai dit, il m'a prévu une fête de Bayonne, même. C'est ça. Et vous avez déclaré, eh oui, je me suis tapé Maïté, alors. Non, j'ai chanté avec Maïté, ah, c'est pas pareil. Alors, vous avez dit, t'es tellement chaude qu'on pourrait faire cuire un œuf sur ton cul. C'est à Isabelle que je dis ça. Alors, est-ce que vous allez faire cauchemar à l'hôtel, après? J'en ai fait deux en tout. Cauchemar au lit, c'est prévu pour des couples. Et cauchemar à l'Élysée, ça serait bien. Y a du vous temps, arrivez, toi. Vous prenez Hollande. Eh, dis donc, toi. Pourquoi pas? Alors, vous êtes devenu l'un des chefs les plus connus et les plus aimés de France. Sachant que la plupart des gens n'ont jamais goûté votre cuisine, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Ça se trouve, vous cuisinez hyper mal. Mais oui. Je suis un escroc, en fait. C'est un imposteur. C'est ça. On ne sait pas. Tu sais, les émissions culinaires, c'est comme le porno. Le problème, c'est qu'on ne peut pas goûter, quoi. Ah, c'est vrai. Elle est comment, votre cuisine, alors? J'ai des plats phares, bien sûr, des plats signature, on va dire. Il y a l'œuf parfait, crumble mousse de lait parmesan, tobiko, wasabi. C'est l'œuf parfait. Quoi? C'est un œuf qui est cuit à basse température. On appelle ça l'œuf parfait. Parce que... Il est cuit à 64 degrés pendant 45 minutes entièrement dans la coquille. Et après... une fois qu'il est cuit, on le casse. On le défait, il garde sa forme avec le jaune qui n'est pas dur, qui n'est pas cru, mais qui est juste moelleux. Uh-huh. Voilà. Je peux le dire avec l'accent américain aussi. Ouais. Non, il y a un truc, je vais vous dire. Il y a un truc, peut-être pas obligatoirement dans vos émissions d'ailleurs, il y a un truc insupportable. Dans les émissions de cuisine à la télé, c'est le jargon. Quand ils disent « ce plat me parle », ce plat a une histoire. Ah oui. Non, mais quand il parle d'un dressage audacieux, ça veut dire quoi, un dressage audacieux? Sexuellement, ça a un sens. Ça peut arriver, effectivement. Après, l'histoire des plats, c'est vrai que moi, ça me gonfle aussi un petit peu. Il y a juste un plat, c'est bon ou c'est pas bon. Ben voilà, les gens vont maintenant, ils vont plus au restaurant, ils vont vivre une expérience culinaire. C'est vrai. Alors, Philippe, vous publiez chez Michel Lafon « Je ne lâche rien », un livre où vous racontez votre vie et votre ascension comme chef jusqu'à
Cauchemar en cuisine, évidemment, sur M6, et Top Chef maintenant. Vous parlez de votre père, hein, le petit restaurant, là, le Chipiron. Le Chipiron, le restaurant basse, cours de l'Isère. Ah ouais. Vous avez eu la chance d'avoir été élevé par un père dur. Oui, avec, y avait des règles, effectivement, voilà. À la maison. C'est vrai que c'était quand même assez dur. Néanmoins, ça ne m'a pas empêché de réussir et j'en ai pas souffert du tout. Et quand est-ce que votre père vous a dit pour la première fois « Je suis fier de toi » J'avais 33 ans et c'est quand je lui ai annoncé que j'étais meilleur au Red France. Ouais. Voilà. Ouais. C'est notre époque, c'est notre génération. Bien hein. sûr, on ne se dit pas les choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pudeur aussi, très certainement. Néanmoins, je pense qu'on s'apprécie et on s'aime. Mais c'est, effectivement, quand ça sort une fois, ça met un gros pet quand même. Le père d'Emmanuel, c'est pareil, hein? Non, mais je pense que c'est la même génération, d'après-guerre ouais. également, donc beaucoup de pudeur, oui. Alors, il y a la bouffe, évidemment, il y a le rugby, ouais. Bordeaux-Bègle, il y a la boxe. Alors, c'est marrant, cette photo, quand j'ai vu la première fois, je me demandais si c'était une photo officielle d'un mariage gay, un peu. Ah, c'est Fabrice Clouseau. Il y a une autre photo de vous que j'adore, c'est celle où vous êtes avec Maïté. Ça, c'est vraiment les débuts. Alors, je précise que Philippe Etchebest est à gauche. Hein. Non, pour les gens chez eux. La gueule. Femme charmante, normalement. Ouais. Et puis, il y a la batterie. Ouais. Vous nous montrez un peu. Ah, putain. La honte. Allez, Philippe. Vous avez tous les talents, mon cher ami. Je suis un couteau suisse. Je ne sais pas, peut-être pas tout faire très bien, mais j'essaie de le faire bien. Bravo, c'est tout. Tout. Il y a une erreur, là. Jay, qui a changé ça? Ouais. Bon, on y va. Claude Barcelone, rebonsoir. Alors Claude, vous êtes donc le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire après le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat, le quatrième personnage de l'État. Juste pour savoir, animateur télé sur Canal, je suis combien, moi? 7647e. Ça dépend des interventions de M. Bolloré. Ouais. Peut-être que vous allez pouvoir progresser. C'est cool quand même pour draguer. Ça te dirait, chérie, de prendre un verre avec le quatrième personnage de l'État? Moi, je suis très amoureux, donc je fais très attention. Ah ouais, vous ils disent tous hein. ça. Non. Moi, c'est vrai. Alors, si Hollande meurt, si Valls meurt, si Larcher meurt, c'est vous. Barcelone, président. Je vous demande de vous arrêter. Alors, je suis sur Wikipédia pour voir comment fonctionne l'institution que vous présidez, Claude. Regardez. On comprend rien, en fait. Alors... Non, mais il n'y a pas besoin de regarder un graphique. Moi, c'est ce que je dis souvent. L'Assemblée ouais. nationale, c'est le cœur battant de la démocratie. Ça a encore une efficacité, l'Assemblée nationale. Bien sûr. Vous allez voir, dans quelques jours, je vais remettre un rapport au président de la République pour dire cette 5e République, il faut la revivifier. Oui.
Et c'est évident qu'il faut permettre au Parlement d'avoir plus de pouvoir dans son rôle de contrôle du gouvernement, ouais, mais aussi dans son rôle d'évaluation de la loi. Parce que finalement, que nous demandent les électrices et les électeurs, ouais, c'est de voter des lois qui sont attendues par la société et de montrer qu'elles fonctionnent. Mais il y a des pays où il y a un Parlement qui a plus d'importance. Un exemple, en Angleterre, avant de déclarer la guerre, on doit demander au Parlement. En France, François Hollande, il envoie des troupes au Mali sans avoir l'obligation sans de avoir demander l'obligation. L'accord du Parlement. Sans avoir l'obligation d'avoir un vote avant les trois mois qui suivent, ouais, le début de l'intervention. Je vais juste vous dire un truc. L'Angleterre, c'est une monarchie. On demande l'avis du Parlement. La France, c'est une république. On ne demande pas l'avis du Parlement. C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Mais attendez, je ne suis pas là pour vous dire que ça ne peut pas s'améliorer. Mais attention, le jour où on affaiblit le Parlement, c'est la porte ouverte au populisme. L'inverse. Alors, vous êtes député depuis l'âge de 29 ans. Vous êtes habitué de l'Assemblée nationale. Nous, on regarde à quoi ça ressemble. S'il vous plaît, silence. Taisez-vous. De toute façon, ça ne sert à rien, c'est adopté. Ce sera saucisse lentille à la cantine à midi. Voilà. On passe à la proposition de loi du député socio-gauche. Merci, Monsieur le Président. Notre proposition de loi vise à régulariser les comptes de campagne pour que les hommes, comme ceux de l'UMD, arrêtent de jouer avec l'argent des Français. En arrêtant de se payer des prostituées. Ou alors qu'ils invitent les copains. On arrête. On arrête parce que la réalité est encore plus drôle. Je vais répondre à Philippe Goujon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez pu constater que je suis candidat à un endroit beaucoup moins éloigné que Carole Delga. Et bien sûr, je ne manquerai pas d'être aux côtés de Claude Barthelone ce soir, engagé dans une autre campagne. Je vais essayer de répondre à M. Goujon, mais je vous demande de vous arrêter. C'est malheureux, hein, c'est malheureux, mais c'est lorsque les caméras de télévision sont là que l'on a ce genre de spectacle. Et vous auriez pu constater qu'il y a un des parlementaires qui, au moment des questions au gouvernement, puisque ce sont les questions au gouvernement, se met une veste jaune. Il n'a jamais de veste jaune qu'on le voit pour le reste du temps, mais pour les questions au gouvernement, il met une veste jaune. Et croyez-moi que tous ces électeurs, il est député de l'Oise, pour rien vous cacher, eh bien, le reconnaissent à cause ou grâce à sa veste jaune. Alors, vous êtes candidat à la présidence de la région Île-de-France. En fait, vous êtes candidat pour éviter une lutte fratricide entre Jean-Paul Huchon et sa vice-présidente Marie-Pierre de la Gontrie. Vous lui avez promis quoi à Huchon pour qu'il s'éclipse? Un passe Navigo ou un poste de sénateur? Non, il mérite le passe Navigo, c'est lui qui l'a mis inventé en place. Bah oui. Donc je pense que s'il y a quelque chose à lui attribuer, c'est ça. Il est derrière vous aujourd'hui. Bien sûr. Méfiez-vous. Non, pourquoi c'est « je ne me méfie pas » Parce qu'ils savent tous que j'en avais pas besoin. Et c'est à la fois parce que j'ai envie d'être utile et j'aime cette région. Ouais. Moi, je suis issu d'une famille de prolos. Hein. Je pourrais avoir plusieurs passeports. Mon père était italien, ma mère maltaise. Je suis né en Tunisie et je suis président de l'Assemblée nationale française. Et je crois que c'est aussi cette affection de ses parents et l'envie de rendre au pays qui m'a accueilli, qui m'a donné envie de l'aimer, une partie de l'énergie qui est la mienne et de lui rembourser tout ce qu'il a pu faire pour moi pour me permettre d'être ce que je suis aujourd'hui. Alors, de toute façon, honnêtement, aujourd'hui, à part agresser sexuellement une femme de ménage dans un hôtel à New York, a priori, c'est gagné, quoi. Non, c'est jamais gagné. Alors, je vais vous dire un truc. Vous avez intérêt quand même à mettre un petit logo PS sur votre affiche. D'ailleurs, je crois que c'est ce que vous avez... Ah ben voilà. Ben, c'est ce que vous avez fait. Ah, il n'est pas petit. Bon, il n'est pas petit. C'est la photo qui fait ça. Moi, je vais vous dire une chose. À mon âge, on n'est plus candidat à une élection pour passer des compromis. Ouais. Moi, je suis socialiste, je suis de gauche et je ne vais pas y aller masqué aux élections. Claude, vous n'êtes pas obligé de dire que François Hollande est venu à votre anniversaire, par exemple. Et là, vous n'oublierez jamais les mots qu'il vous a dit quand il est arrivé à votre anniversaire. Il vous a dit « J'espère qu'il reste du gâteau ». Non, mais c'est vrai qu'il est... Et il est gourmand. Il est gourmand, ah, mais oui. Il fait très attention. Il fait pas attention. Non, il fait attention. Il a regrossi, là. Non, non, il fait attention. Il y a quand même un truc emmerdant.
c'est Macron. Ça ne doit pas être facile d'aller tracter sur les marchés pour le Parti socialiste après ce que Macron a sorti sur les fonctionnaires. Macron est un type très intelligent, oui. Mais il y a des moments où il faut faire attention. Vous avez vu qu'il ferme sa gueule, là, parce que vous êtes là. Là, j'aurais préféré, pour être clair, j'aurais préféré. Ce qu'il faut dire, c'est quand même, les fonctionnaires, c'est la base de votre électorat. Non, mais... Le mec, il dit, on va changer le statut des fonctionnaires. Ce qui est sans doute une bonne idée, mais je veux dire, pourquoi c'est il dit ça? C'est pas une question de la base de notre électorat. Ouais. Il faut que l'on sache, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas de patrimoine. Donc, ceux qui servent le service public bonne doivent formule. Être respectés. Alors, Martine Aubry n'était pas contente, hein. Elle a gueulé après Macron. Martine, quand elle a quelque chose à dire. Ah ouais, t'es pas contente, Martine. Hein. Vous êtes rapprochée d'elle, hein. Ah oui, on est très amis. Elle est commande près. C'est con. Je suis d'accord, Martine, je suis désolé. Ouais, franchement. Alors, j'ai un slogan qui est génial. Avec Barthaud, c'est métro, boulot, dodo, écolo. Oui. Alors, c'est mai 68 à l'envers, là. Oui, pourquoi? Parce qu'en 68, métro, boulot, dodo, ça donnait... C'est critiqué, ça, nous. Mais bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait l'impression que métro, boulot, dodo, c'était quelque chose qui enfermait. Aujourd'hui, on est arrivé à souhaiter ce qu'on critiquait en 68. Mais pourquoi? C'est parce dingue. Qu'en 68... Quelle régression, quand même. Parce que, non, pas du tout. Bah, si. Pas du tout. C'est le monde qui a changé. Ouais. En 68, souvenez-vous, on disait vivre et travailler au pays. On avait cette impression du localo-localiste. Aujourd'hui, le monde nous appartient. Alors, vous êtes l'homme fort du 9-3. Hein. C'est un territoire qui m'a fait grandir et je l'aime beaucoup. C'est vous le boss dans le 9-3, non mais d'accord. Alors, vous avez déclaré, je veux en finir avec la mauvaise image du 9-3. Vous allez lui niquer sa race à la mauvaise image du 9-3. Si je peux, oui. Alors, vous avez déclaré, la Seine-Saint-Denis peut exploser à tout moment. Hélas, oui. On va en parler. Bon, on passe maintenant à l'actu de la semaine, avec Désintox. Et c'est le politologue Thomas Guénolé que nous accueillerons sur ce plateau après le magnéto. Désintox de ce soir, le jeune de banlieue. On nous cache tout, on nous dit rien. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Voilà plus de 30 ans qu'on nous présente le jeune de banlieue comme une menace pour la société. Oui, la France a peur et nous avons peur. Dans les JT, le jeune de banlieue traîne en capuche au bas des HLM où il gagne sa vie en dealant du shit. Pour se procurer du cannabis, ça se passe au 13e étage de cette tour, comme dans les deux tours voisines. Le revendeur a moins de 16 ans. Quand il s'ennuie, il fait cramer quelques bagnoles et caillasse les pompiers. Puis, le soir, pour se détendre, il va violer quelques jeunes filles avec ses amis. Elle sort du lycée, un ami l'attend, l'entraîne, la pousse dans une cave avec une bande de copains de 13 à 18 ans. Et là, l'horreur, le viol. Dans une cave de la cité où il cache des armes qui lui serviront peut-être un jour à commettre un attentat islamiste. Ben voilà, à force de ne regarder la banlieue qu'à travers l'écran de télévision, on se fait des idées. Oui, la France a peur parce qu'elle ne comprend pas. Sauf que ces préjugés déforment carrément la réalité. Aujourd'hui, 1 million de jeunes Français vivent en banlieue. Or, selon les statistiques officielles citées dans son livre par Thomas Guénolé, 98% d'entre eux ne sont ni délinquants ni criminels. 96% des lieux de culte n'ont rien à voir avec les salafistes. Et 85% des jeunes filles n'ont jamais porté le voile de leur vie. Alors si le jeune de banlieue est victime des pires préjugés, c'est qu'il souffre de gros handicaps. Rien que le fait d'être jeune, c'est pas de bol. Les moins de 25 ans sont la catégorie la plus touchée par le chômage et la pauvreté. Si en plus, le jeune habite un quartier défavorisé, ça se complique carrément. Major de la promotion 2012 de Polytech Marseille et également titulaire d'un master de physique, Younes devait rejoindre l'élite de l'industrie. Mais après 4 mois de recherche d'emploi infructueuse, il veut lever un doute et modifie son CV. Donc ce que j'avais modifié, c'est juste une adresse. J'ai postulé le matin, l'après-midi même, le téléphone a sonné. Plusieurs fois. Mais le plus pénalisant pour un jeune de banlieue, c'est d'avoir un nom d'origine immigrée. Alors vous avez décidé de faire carrière sous votre nom de jeune fille. Est-ce que c'est important de montrer qu'en France, quand on s'appelle les Khomri, on peut réussir tout aussi bien que si on s'appelait, Marceline Dupont? Déjà qu'avec un nom à consonance française, faut envoyer en moyenne 19 CV pour décrocher un entretien d'embauche. Avec un nom à consonance arabe, faut en envoyer en moyenne 54. Pourtant, vu qu'on est en République, tous les Français naissent égaux en droit. Du moins, c'est ce qu'on apprend à l'école. Parce qu'en vrai, les Français qui sont jeunes, pauvres et d'origine immigrée ont quelques raisons de se sentir un peu moins égaux que les autres. On nous dit rien. Voilà, c'était Désintox, signé Blacko, mise en image de Julien Grappe.
Thomas Guénolé, bonsoir. Vous êtes politologue, prof à Sciences Po et à HEC, et vous publiez « Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants ?» aux éditions du Bord de l'eau. Bienvenue parmi nous. Alors, Thomas Guénolé, vous avez inventé le terme de balianophobe. C'est quoi, balianophobe ? J'appelle balianophobie un mélange de peur et de haine envers le jeune de banlieue, mais pas les vrais jeunes de banlieue, des vraies cités. Non, non, le jeune de banlieue, en fait, c'est un monstre mythologique qui est le grand Satan médiéval moderne. Il sert à avoir tous les défauts qu'on peut imaginer dans une société chez les jeunes, et il sert à concentrer toutes les peurs les plus profondes d'une partie de la population française, c'est-à-dire la peur des jeunes, la peur des pauvres, la peur des Arabes, ouais, la peur des musulmans, la peur des immigrés, et vous concentrez tout ça, et ça donne ce qui a été très bien résumé d'ailleurs par Blacko, ça donne un jeune arabe à capuche mal rasé de 15-35 ans qui viole les caisses, qui viole les filles dans les caves, etc. Oui, voilà, et puis hein, qui suit les prêches de l'islam des banlieues dans des caves également, c'est peut-être les mêmes caves d'ailleurs, ce qui pose des problèmes logistiques et des journées de dingue pour le jeune de banlieue en question. Alors c'est un mythe qui a été construit en fait par les éditorialistes, par les intellectuels. Il y a des éditorialistes et des intellectuels qui ont un discours de rhétorique balianophobe. Alors je peux vous le faire vite fait, c'est tout con, c'est dans certains quartiers, les Français de souche ne se sentent plus majoritaires. Alors ça, en langage courant, ça veut dire qu'il y a trop d'Arabes dans les cités. Oui. En réalité, c'est ça que ça veut dire. J'ai un vrai problème avec les Arabes, vous n'allez pas le dire comme ça, vous allez dire, je me demande si l'islam est vraiment compatible avec la République, ouais, etc., etc. C'est un discours pseudo-culturel, en fait, qui sert à véhiculer du racisme en toute impunité. Ça, c'est les éditorialistes. Le plus fort, le père nourricier de tous les autres, c'est Alain Finkielkraut, oui, dans la matière. Après, il y a les médias et le cinéma. Dans les médias, le problème qui se pose, c'est que les reportages de terrain en banlieue, ça fonctionne un peu comme un mélange de télé-réalité et de méthodes importées du reportage de guerre. Vous dites qu'il y a ce qu'on appelle, nous, dans le métier, des fixeurs. Il y a des fixeurs et des castings. Vous arrivez pour faire un reportage en banlieue, vous, ouais, dites, vous n'êtes pas un mec avec une capuche parasée qui fasse vraiment rebeu. Oui, on en a, on en a. Et le fixeur vous fournit ça. Et d'ailleurs, il a un intérêt financier, le cas échéant, ouais, à vous fournir précisément ce que vous voulez. Et le cinéma, ça, c'est le plus fort. Et ça a commencé avec la haine, hein. Oui, mais je ne crois pas que ce soit volontaire. La haine, Kassovitz, son propos, c'est de parler que des bandes. Mais comme le film, ensuite, a eu un gros succès, il y a eu un effet pervers, c'est que les gens qui ne connaissent pas du tout la banlieue n'ont vu les jeunes que comme des bandes. Les auteurs de Guignol, par exemple, n'ont plus parlé d'eux que, ouais, comme ça. Mmh. Et les jeunes de banlieue qui sont délinquants dans des bandes ou criminels, c'est 2% ou moins de 2% selon les quartiers. Mais dans le cinéma français, c'est les deux tiers des films français où il y a des jeunes de banlieue. Ouais. Je vous prends un exemple, Intouchable. Oh, grande leçon d'humanité. Vous rigolez? Le personnage de Marcy, c'est un dealer de shit qui fraude les allocs et qui va revenir sur le droit chemin. Et son petit frère, il s'apprête à quitter le collège pour aller dealer du shit. Ouais. Voilà, c'est systématique. Ouais. Alors, vous déconstruisez les mythes, hein, par exemple. J'essaie. Le jeune de banlieue n'aime pas la France. Vous avez 90% des jeunes de banlieue qui se sentent français. Ouais. Mais 60% seulement se sentent reconnus comme français, ouais, par les autres. Ouais, et quand vous grattez un peu, c'est 80% de ceux qui ont des origines européennes qui se sentent reconnus comme français, ouais, et c'est 40% de ceux qui ont des origines, ouais, maghrébines. Conclusion, c'est un problème de racisme. Ouais. Faut, à un moment, il faut appeler les choses par leur nom. Le jeune de banlieue est un islamiste en devenir. C'est toujours la même méthode. Vous prenez le comportement qui est ultra marginal, qui va même être inférieur à 1% dans certains cas. Quand vous parlez des jeunes femmes musulmanes, vous allez forcément parler de port du voile dans les 20 secondes, alors qu'il y a 85% des jeunes femmes... Les moins de 35 ans qui ne portent pas de voile. Qui n'ont jamais porté... Jamais, jamais. Et 4% des, oui, lieux de culte, oui, sont intégristes, ce qui veut dire qu'il y en a 96%, oui, qui sont comme des églises. C'est une une d'un journal de référence plutôt à droite qui avait mis à sa une 89 mosquées infiltrées par les salafistes. Oui, ça fait 4%. Ça fait 4%. C'est pas valeur actuelle ? Je suis pas une balance. Mais les jeunes français musulmans, en fait, sont en pleine désislamisation, comme il y a eu les Français catholiques qui ont été déchristianisés. C'est-à-dire que la grande masse, le ventre mou des jeunes musulmans de France, ils sont de moins en moins croyants, de moins en moins pratiquants. Les plus de 50 ans, vous en avez à peu près 40% qui vont à la mosquée tous les vendredis, c'est 20% chez les jeunes. Alors par contre, en même temps qu'il y a une désislamisation du ventre mou de l'énorme masse des jeunes français musulmans, il y a une minorité qui, elle, est en train de devenir de plus radicalisation. En plus radicalisation, et c'est exactement ce qui s'était passé à la moment de la déchristianisation. C'est quand vous avez eu la France déchristianisée que les intégristes ont fait leur apparition, ouais, du côté des cathos. Enfin, je continue, on pourrait y, ouais, passer la soirée sur, okay, l'insécurité, la délinquance. On dit tout le temps, le jeune de banlieue est membre d'une bande. Ouais. En fait, faux.
il n'y en a que 2% qui sont membres. Maximum, ouais, c'est ça. Et ceux qui font du business de shit, il y en a 1%. C'est-à-dire qu'en fait... C'est quand même très utile, il faut le dire, au passage. C'est ce que vous disent sur le terrain les travailleurs sociaux qui sont en avion en première ligne, vous disent c'est cet ordre de grandeur. Les flics qui sont sur le terrain vous disent c'est cet ordre de grandeur. Les jeunes de banlieue eux-mêmes, si vous allez dans un établissement scolaire, j'ai pu faire ça, et vous leur demandez l'ordre de grandeur, ils vous donnent cet ordre de grandeur-là. Alors on continue, le jeune de banlieue préfère toucher les RSA que travailler, alors qu'en banlieue, c'est faux, il y a sûrement des feignants comme partout. Sauf que les mecs, ils se lèvent de bonne heure pour aller bosser à Paris, dans des sociétés, enfin on en connaît tous. La France qui se lève tôt, il y a de tout. Ouais. Mais la France qui se lève très tôt, il y a beaucoup de jeunes de banlieue, si vous regardez bien. Emmanuel, vous pensez quoi de ce bouquin-là ? Nous, dans le sport, c'est des choses qu'on a du mal à concevoir, puisqu'on n'est pas dans les mêmes problématiques de la société civile. Donc, nous, la mixité, on a toujours vécu avec. Oui. Heureusement qu'il y a la mixité dans l'équipe de France de foot. Philippe ! Oui, c'est sûr que c'est vrai qu'il y a quand même une grosse partie de la faute qui peut être mise sur les médias, parce qu'on ne montre que ça. Donc il y a une stigmatisation finalement du phénomène à cause de quoi ? À cause de ce qu'on voit comme information et à la télé. Ce n'est que ça. Mais ça correspond au préjugé du public, sinon les médias ne diffuseraient pas ces trucs-là. C'est un cercle vicieux. Il y a deux manières d'agir. Il y a un fantasme. On le renforce ou on le démonte. Voilà. Et là, il y a une tendance à la vouloir le renforcer. Isabelle. Bah, moi, j'ai habité mais des années à Pantin. Ma voisine. Oui, près Saint-Gervais. Et j'ai toujours eu moins peur quand je rentrais dans les rues que quand je suis dans le 16e arrondissement où voilà, je suis plus insécure. Ceci étant, mon cher Thomas Guénolé, malgré tout, il y a des incivilités, vous êtes d'accord ? C'est même un euphémisme, oui. Il y a des trucs très graves. Il y a de la misogynie. Oui. Il y a de l'homophobie. Oui. Il y a de l'antisémitisme. Oui. Voilà. Oui, il y a tout ça. Faut pas non plus être angéliste. Le problème de l'antisémitisme, par exemple, ça existe chez une partie des jeunes de banlieue. C'est vrai qu'il y a un problème d'antisémitisme qui est lié en réalité au fait de s'identifier romantiquement à la jeunesse palestinienne parce que leurs propres parents leur ont dit que c'était des héros résistants qui sont dans une situation où ils sont dans des territoires pourris, à se sentir sous avec la domination. Avec la colonisation qui avance. Voilà. Alors en fait, ce qu'on découvre avec votre bouquin, c'est que la majorité... C'est plus « embrasse ta maman pour moi » que « nique ta mère » finalement. Alors Claude, vous êtes fait piquer votre caisse de fonction en banlieue. Vous êtes d'accord avec Thomas ou faut pas déconner quand même ? Non, moi je suis totalement d'accord. Cette jeunesse, c'est une force pour demain. Une Europe qui vieillit, si nous ne sommes pas capables d'être en mesure de reconnaître que notre France, notre République française, ce sera une République de plus en plus, de toutes les origines, de toutes les couleurs, de toutes les religions... et que l'on doit construire ensemble la République du XXIe siècle, si on n'est pas conscient de ça, on affaiblit la France. Thomas Guénolé, merci d'avoir été avec nous, c'est super. Claude Bartolone, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping et notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Emmanuel Petit, à tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens, nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie d'Isabelle Mergaux, de Philippe Etchebest et d'Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, rebonsoir, vous avez réalisé le rêve de tous les petits garçons, marqué un but en finale de la Coupe du Monde de football contre le Brésil, même si c'était avec une queue de cheval. Alors aujourd'hui, vous publiez Franc-Tireur aux éditions Solar, un livre où vous racontez votre incroyable parcours du petit village normand où vous êtes né, au Stade de France pour la Coupe du Monde. Ce sera après le zapping. Voilà, c'était le zapping. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Emmanuel Petit, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 22 septembre
1970, à Dieppe, votre père travaille dans une entreprise de pièces détachées. Oui. Votre mère est femme au foyer. Oui. Vous êtes le dernier d'une fratrie de trois. Oui. Vous avez deux frères aînés. Vous grandissez à Saint-Nicolas-d'Aliermont, un village près de Dieppe. C'est exact. À la maison, on ne roule pas sur l'or. Hein. Non, milieu modeste, mais on manquait de rien non plus. Hein. Et à l'école, on vous traite de poil de carotte. Oui. Heureusement, il y a le foot, une affaire de famille. Votre père joue au club d'Arc-la-Bataille. Oui, puis en plus, il a joué un niveau assez d'excellence, puisque c'était en DH à l'époque, donc c'est quand même un niveau... Division d'honneur, je dis ça pour ma mère, oui. C'est dans ce club que vous signez votre première licence à l'âge de 7 ans. Oui. Alors, à l'adolescence, malgré votre père qui vous donnait quand même un peu de... des coups de ceinture de temps en temps. Oui, non, mais ils nous ont donné énormément d'amour aussi. Hein. Oui, c'était une façon aussi de nous remettre dans le droit chemin. Mais c'est pas une critique. Non, mais quand je vois aujourd'hui qu'on peut même plus mettre une tarte à son gosse... Voilà, oui, non, c'est tout, voilà. Alors, vous faites quand même les 400 coups à l'époque. Hein. Ah oui, oui, c'était turbulent, oui. Un jour, vous finissez quand même par voler la paye des employés d'une usine. Hein. Oui, c'est ça. Heureusement que les flics ont été cool, quand même. C'est quand même un choc vraiment émotionnel et visuel de voir des policiers arriver alors que je suis un tout gamin et... Donc, il vient me chercher dans la classe, il me présente devant le directeur et j'ai mes parents, surtout ma mère, qui me met une tarte monumentale à cette époque-là. Et en revenant à la maison, j'en ai repris une couche. Donc, heureusement, un jour, donc, dans un concours de jeunes footballeurs organisé sur une plage à Dieppe, vous êtes repéré par un recruteur du Havre. Et là, vous allez en sport-études à Saint-Valery-en-Caux. C'était en fait l'antichambre pour faire les équipes nationales. Alors, vous êtes repéré, vous intégrez le centre de formation de Monaco à l'été 85. Alors, c'est marrant, Monaco, parce que vous étiez inscrit au lycée Albert Ier et des mecs qui viennent à l'école en Rolls, quoi. Oui, donc ça a été un choc aussi culturel à ce niveau-là. Mais bon, j'ai réussi à me fondre dans l'environnement. Oui. Vous avez acheté une Rolls. Alors, en 1988, vous n'avez pas encore 18 ans. Arsène Wenger vous demande de vous entraîner avec le groupe professionnel, donc à Monaco quand même. Et là, votre grand frère, Olivier, âgé de 21 ans, meurt d'une rupture d'anévrisme sur un terrain de football. Ça a été un traumatisme incommensurable, même encore aujourd'hui, et je ne dis pas que c'est un sujet tabou, mais... À mon époque, il faut remettre ça justement à cette époque-là. C'est en Normandie, c'est les générations d'après-guerre, certaines pudeurs, on garde tout pour soi, on a du mal à exorciser ses émotions. Et c'est vrai, de voir son propre père se cogner la tête contre le mur, et on a l'impression que le monde s'écroule, se dérobe sous vos pieds. Et puis, pour un gosse, c'est dur. En même temps, moi, je fais tout pour devenir professionnel. Et c'est stupide ce que je vais raconter, mais j'ai vraiment eu l'impression à cette époque-là qu'il y avait une intervention divine, comme si tu veux devenir professionnel, il faut un sacrifice. Je l'ai ressenti comme ça, Depuis, vous avez le sentiment d'être en mission. J'avais envie de devenir le plus rapidement possible professionnel, de rendre mes parents et ma famille, mon frère, heureux, pour essayer d'apporter un peu de douceur dans leur quotidien. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, de toute votre grande carrière de footballeur, vous n'avez pas gardé grand-chose, en fait, sauf le survêtement d'Olivier. Un vieux survêtement Adidas. Alors à Monaco, vous jouez avec Batiston, avec Wea, mais ça ne va pas. Vous ruminez, de temps en temps, vous pétez les plombs, vous avez du mal à gérer vos émotions, jusqu'à ce qu'Arsène Wenger vous recadre. Il est génial. En fait, Arsène, pour moi, il a été précurseur dans beaucoup de domaines, dans le management au niveau sportif, parce que avant de trouver... d'essayer de sortir l'excellence d'un sportif, il faut traiter l'individu. Alors, en 91, vous soulevez votre premier trophée, la Coupe de France au Parc des Princes contre l'OM. Alors, il y a une question, en fait, un peu patente. C'est l'histoire de Tapie. Parce que vous avez sous-entendu que Tapie, à l'époque, avait soudoyé des joueurs de Monaco. Qu'en est-il vraiment ? Je pense simplement qu'il y a une chronologie qui date des années 88 jusqu'à 93, donc c'est une succession d'événements. Il n'y a pas de preuves, mais il y a énormément de suspicions entourant beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, je me dis aussi que si la justice est intéressée de très, très près à un match qui s'appelle donc Valenciennes-OM, là où a été condamné justement Bernard Tapie et Bernès, je ne pense pas qu'il soit suffisamment stupide pour croire que les soupçons sont nés simplement lors de ce match-là. D'accord. Alors, en 1996, vous enragez de ne pas pouvoir jouer dans la Coupe du Monde 98. Heureusement, Monaco explose, devient champion de France avec 12 points d'avance sur le PSG quand même. Hein. Oui. Alors, Jacquet vous rappelle. Exact. Vous êtes sélectionné dans l'équipe de France pour la Coupe du Monde.
contre le Brésil, vous tirez le premier corner qui permet à Zidane de marquer le premier but, et vous marquez le troisième, celui de la victoire. Vous étiez comment à ce moment-là ? Je commençais à avoir une certaine sérénité. Quand on commence à atteindre ces objectifs, justement, on sent un apaisement intérieur, donc comme si on avait rempli justement ses obligations. Alors, pourquoi ça n'a pas collé avec Zidane ? Non, vous êtes le seul mec qui ose dire du mal de Zidane. J'ai pas dit du mal de Zizou. D'ailleurs, je m'en suis expliqué avec lui en 2008. Entretien glacial, quand même. Assez glacial, oui. Moi, je dis simplement que c'était en 2008, lorsque j'ai sorti mon premier livre, que je considérais que la France était orpheline, justement, de l'absence d'un Coluche, Sœur Emmanuel, de l'abbé Pierre, des gens capables, justement, de fédérer le patron du CAC 40 comme l'homme de la rue. Et je pensais que lui avait ce charisme-là, ce potentiel. Je pense qu'il l'a toujours. Et je peux comprendre. C'est pour ça que c'était pour moi une façon, dans ce deuxième livre, j'ai fait un petit passage sur lui pour boucler la boucle et lui dire quelque part... je te comprends. Je sais que, en tant que fils d'immigré, si tu commences à t'exposer, à parler de choses, de la banlieue qui brûle, des choses comme ça, après tout ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le plateau, je peux comprendre qu'il en aurait pris plein la tronche et qu'il ait décidé justement de continuer à assouvir sa passion, qui est le football. L'Euro 2016, Manu, ça va être comment ? Moi, je leur dis simplement une chose par rapport à 2016. On n'est pas dans la notion d'employé-employeur dans un club. Là, on est dans une notion, c'est-à-dire qu'on... On n'a aucune demande à faire, on n'a que des devoirs, on n'a que des obligations quand on revêt le maillot d'une équipe nationale. À ce titre-là, on doit être un ambassadeur, on doit donner le meilleur visage de son pays. Notre rôle à nous en tant que sportif, en tant qu'artiste d'une façon générale, c'est de toucher les gens au niveau du cœur. Et c'est un arbre qui donnera des fruits jusqu'à la fin de votre vie. Quelque chose à ajouter ? Oui, je voulais souligner que j'avais écrit ce livre en collaboration avec mon binôme sur France Télévisions, qui est Kader Boudaoud. Donc Kader, merci pour tout ce que tu as fait. Et bien voilà. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Isabelle Mergo, Claude Bartolone, Philippe Etchebest, Emmanuel Petit, Thomas Guénolé. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.